ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Oui, bien. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. Les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, comment les choses se sont passées.
Et donc, je vous avais déjà parlé de comment nous nous sommes retrouvés dans le bureau du procureur avec le pasteur qui a quitté la Suisse. Donc, après cet épisode, le pasteur est retourné dans son pays, espérant que sa femme retourne un mois après, comme prévu. Maintenant, nous aussi, on est retournés au Bénin. Et quand les autorités ont vu les faits, d'abord les enfants qui sont empêchés d'aller à l'école, des choses très graves, des femmes qu'on a gardées, qui ne vont plus nulle part et tout ça, ils ont vu que ben, c'est très très grave. Et dans la foulée, il y a des acteurs de droits de l'homme. Nous, on n'est pas dans le droit de l'homme, on est dans le spirituel. Mais chacun fait son travail. Donc, il y a dans la foulée, il y a un acteur de droit de l'homme qui défend le droit des enfants, qui s'est saisi du dossier pour dire mais les autorités doivent faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ils nous ont proposé qu'il faut que vous fassiez une conférence de presse pour alerter l'opinion. Sinon, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand quelque chose arrive, les gens vont dire que c'est un harcèlement politique. Ou c'est une injustice. Donc voilà, chers frères et sœurs, comment le Seigneur même s'est puissamment manifesté et nous avons pu organiser cette conférence de presse. Et la conférence de presse que nous avons organisée, nous avons présenté les faits tels que nous les avons vécus, tels que nous avons vu les enfants. Et nous avons joué les vidéos et tous les journalistes, en tout cas la majorité des journalistes qui étaient présents, ont vraiment crié pour dire mais tout ça là se passe au Togo et nous on n'est pas au courant. Et c'est comme ça, c'est même les journalistes qui ont demandé à l'État d'agir. Effectivement. Alléluia. Et donc, nous avons fini la conférence de presse. Quand on a fini la conférence de presse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un journaliste dans le lot, pendant la conférence de presse, ce journaliste en question n'a pas réagi comme ça. Mais quand nous avons fini la conférence de presse, il est venu maintenant pour nous demander est-ce que je peux avoir le numéro du touffé en question. Nous lui avons dit, il n'y a pas de problème, mais ce que nous te proposons de plus, viens prendre les fichiers en vidéo, en audio, tout ce que nous avons dit là, pour que demain tu ne dises pas qu'on a raconté des choses contre lui. Il faut que tu prennes les fichiers pour étudier toi-même. Il dit non, je n'ai pas besoin de fichiers, je n'ai pas besoin, je veux juste ton numéro. Et on lui a donné son numéro. En réalité, c'est pour gagner son blé. Ouais, on sait. Donc, lui il est passé derrière maintenant, il a appelé Doufflé pour l'amadouer. Doufflé lui a, là aussi, comme il a aussi, il est fort dans la manipulation. Ils se sont appelés et ils se sont codés. Et maintenant, le sieur, le journaliste, en question, l'a proposé maintenant d'organiser aussi une conférence de presse pour balayer tout ce que nous avons dit. Et effectivement, il a organisé le simulacre de conférence de presse. Une conférence de presse honteuse. Une conférence de presse où c'est le journaliste qui prend la parole, qui répond à la place de celui qu'on a indécé. C'est honteux. Quand les gens suivent ce théâtre-là, les gens disent, mais ça c'est un avocat qui parle ou bien c'est un journaliste. Du cinéma. Du cinéma, chers frères et sœurs. Nous, on a ri. On a ri qu'on a vu que Doufflé, là, il est vraiment fort dans la manipulation. Et tout ce que nous avons montré, il a balayé tout. Et c'est déjà à partir de là qu'il a commencé par nier pour dire qu'il n'a jamais dit qu'il sera président sans élection. Alors que cette affaire de président sans élection, tu l'as toujours chanté avec nous pour dire que c'est toi que Dieu a choisi pour diriger le Togo. Et c'est ce qui est dans la tête de tous les adeptes. Et aujourd'hui, devant les journalistes que tu as payés, tu dis que tu es en réalité président de ton église. Depuis, hein? Depuis quand est-ce qu'on salue un président d'une église? Ah, avec garde-boue. Garde à vous. Depuis quand? Depuis quand? Donc tu es président d'église et on a préparé un chant pour toi. Ça c'est la
chers frères et sœurs, même si Satan te se cache là, les ceux qui ont le discernement voient sa queue. Et ils savent que ah, ici là, c'est le diable qui s'est caché là. Jouer a commencé à jouer à la comédie pour manipuler l'opinion. Pour tromper l'opinion. Au lieu de prendre son temps pour se repentir, il a commencé par investir dans le mensonge davantage. Et chaque jour, il ronge son âme. Chaque jour, il ronge son âme. Nous, on est imperturbable. Parce que quand tu es dans la vérité, tu n'es pas perturbé. Tout à fait, tu es serein. Tu es serein. Donc, nous, on est resté calme. Et c'est comme ça, après sa conférence de presse, nous, on s'en fout. On a déjà confié le dossier à qui de droit. Et ils ont pris le relais. Et c'est comme ça, on est là. On a lancé l'appel pour dire, bon, ceux qui ont vraiment été victimes, ceux qui ont été victimes, hein, ceux qui ont été victimes de venir se présenter, et ceux qui ont des éléments pour que la vérité éclate, bon jour. Pour que les âmes soient libérées, les enfants soient libérés et rentrent dans leur pays. Et c'est comme ça que nous sommes allés rencontrer les services de renseignement et à la gendarmerie. Ils nous ont, à la SRI. Ils nous ont reçus, on a présenté les éléments au Togo. Nous sommes allés au Togo, on a présenté les éléments, ils nous ont reçus. Et il y a plein d'autres personnes qui sont allées porter plainte. Mais c'est là même on a appris que même des pasteurs qui sont restés, qui sont avec Doufflé aussi, sont venus porter plainte. Non, c'est pas nous seuls. Quand il a mis nos noms devant là, en tout cas c'est une grâce. Parce que et ça montre qu'il y a un Shadrach, Meshach, Abednego qui sont que le Seigneur qui règne encore, dans qui règne encore sur cette terre. Tout à fait. Alléluia. Donc voilà comment les choses se sont passées. Et quand nous avons déposé nos éléments, on est retourné. Et quelques jours, ils nous ont encore rappelé pour revenir et nous sommes repartis. Et cette fois-ci maintenant, c'est une confrontation directe avec Doufflé. Oui. Et je vous le dis, dans la foulée, déjà, les autorités avaient pris un arrêté ministériel quand ils ont eu les éléments, tous ces choses-là. Ils ont vu la gravité de la situation et ils ont pris un arrêté ministériel. Voilà l'arrêté ministériel que je vous montre. Voilà l'arrêté ministériel. Et dans cet arrêté ministériel, il est stipulé que dès ce moment, il n'y aura plus d'activité sur le site de Doufflé. Oui. Et nous, on a vu l'arrêté, on a pris bonne note, on dit voilà, donc quelque chose se fait et nous bénissons le Seigneur. Donc après ça maintenant, on nous a invités pour une confrontation avec Doufflé et nous sommes allés à la confrontation. Et avant de venir, le commandant qui est sur le dossier nous a demandé si nous avons encore d'autres éléments d'apporter pour appuyer nos déclarations. Et effectivement, nous sommes allés avec les vidéos que nous avons, les nouvelles vidéos que nous avons, et dont une vidéo dans laquelle il a insulté proprement le président de son pays. Et d'ailleurs, chaque fois... Il faut noter que c'est le président fort, Yassine. Il s'agit du président fort, Yassine. On n'est pas dans la politique. Mais on doit présenter les faits tels que ça se présente. Alléluia. Donc, on a. Et par cette vidéo, Doufflé nous disait, quand on était avec lui, que voyez, si le Seigneur n'est pas avec moi, comment est-ce que vous pensez que je peux insulter le président de mon pays? Et depuis jusqu'à présent, je suis en liberté. Donc sachez que c'est Dieu qui me protège. Il ne cesse de répéter les mêmes choses. He never stop repeating the same thing. Jamais personne ne l'a tué jusqu'à aujourd'hui. Nobody ever killed him to today. Il a dénoncé le gouvernement de son propre pays. He has even denounced the government of his own country. Et on ne va pas se mentir, on sait très bien qu'en Afrique, c'est que le gouvernement dictatorial. And we know very well that in Africa, our government, you know, they are dictators. Il a dénoncé toutes leurs pratiques occultes. And he has denounced all, revealed all the occultic practices. Ainsi que les pasteurs poules comme les William Tété et consorts. And also, how do you call it? The cock pastors that are like William Tété and other things. Tous ces faux hommes de Dieu que tout le monde adule actuellement. This fake man of God that everyone is going under them right now, worshiping them now. Il les a tous dépouillés publiquement. He
publicly expose them. À visage découvert. The point to face to face, bring them out. Et pourtant, personne ne l'a jamais mis une seule fois en prison. And up to now, nobody ever arrested him and threw him into prison. Il ne vit pas caché ici au Togo, tout le monde le voit. Everybody can see, he doesn't hide himself. Voilà, chers frères et sœurs, vous l'avez bien entendu, son nouveau porte-parole qui explique clairement ce que je vous dis, que Doufré a l'habitude de nous dire que malgré tout ce qu'il raconte contre les gouvernants, les autorités de son pays, il ne s'est jamais inquiété de savoir que c'est parce que Dieu cautionne tout ce qu'il dit. Donc, il prend ça comme un appui pour nous convaincre. Vous voyez. Et donc, quand la situation s'est présentée, nous, on a dit, bon, on a présenté l'une de ces vidéos dans lesquelles il a proprement insulté le président de son pays pour dire que, voilà, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et dans sa vidéo de 24 heures dans l'au-delà, nous avons fait jouer ça devant les services de renseignement qui nous ont reçus et suivez ensemble. Ce message voit au président Faure Gnassingbé également. Jésus t'envoie ce message de te humilier. Tu dis que tu es fort, homme puissant, que tu es intelligent. Tu as mis les soldats, les poufs de fer, voilà, garde. Mais en enfer, ton père Gnassingbé, il était fort plus que toi. Mais actuellement, il est en enfer. Il est en enfer actuellement. Il y a des manières en enfer. Je ne veux pas que toi, tu viennes en enfer. Je ne veux pas te voir sur le siège. Moi, j'ai déjà choisi quelqu'un pour moi. Je vais conduire les Togolais. Vous êtes barbares. Vous êtes des tueurs. Vous vendez les gens à Satan. Vous cherchez votre protection en disant que c'est fini. Si tu ne te repens pas, si tu ne fuis pas la présidence, si tu veux rester là, je vais te paralyser fort. Tu sauras que c'est moi, Jésus, qui parle. Il est temps. Les Togolais souffrent assez. Les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent. Si tu n'es pas Kabyé, tu ne vas pas travailler. Si tu n'es pas dans les UNIR, dans ce parti, tu ne vas pas travailler. Tu n'auras pas de bon poste. Si tu ne quittes pas ce poste, la présence fuit très vite. Sinon, je vais intervenir. Je ne permets pas que tu règnes encore. Il est temps. Tu te donnes à moi. Tout ce que vous avez volé, la famille Gnassingbé, vomissez tout. Jésus vous dit qu'il vous a rejeté, toute la famille Gnassingbé, une fois pour toutes. Retournez vers moi. J'ai pris la clé de la royauté de vous. Je vous ai rejeté. Je vous ai déraciné une fois pour toutes. Mais si vous retournez vers moi, je vais vous sauver. Mais moi, Jésus, j'ai déjà choisi quelqu'un pour moi-même. C'est cette personne qui va régner pour moi. Il est temps que tu te repens. Il est temps que tu te repens. Et tu sauras que l'Éternel a passé par moi pour te parler. Faure Gnassingbé, et Jésus te dit qu'il t'aime. Il t'aime. C'est là, tu peux goudronner tout. Tu peux faire tout. Moi, je ne regarde pas toutes ces choses-là. Mais la seule chose, c'est quitter le royaume. Quitter la présidence. Une fois présidence. Mais si tu veux faire la tête du que tu as des conseillers ou bien des gens derrière toi, oh non, que tu as des chars, tout cela, moi j'ai mon feu, que je vais détruire tes chars. Tous tes soldats, toute ton armée n'est même pas comparable à mon pouce. Si tu ne te veux pas, si tu veux rester là-bas, tu vas me rencontrer. Quitte là-bas et humilie-toi et confirme ta vie à moi. Tu te couches avec les petites filles. Les petites filles, tu te couches avec les petites filles vierges. Tu te couches avec les petites filles. Tu leur donnes de l'argent. Tu gaspilles l'argent du pays en désordre. C'est ce que tu es en train de faire. Repends-toi. Si tu ne te repens pas avec tout ce que tu emprunts, tu gâtes les petites filles, les petites vierges, que tu as de l'argent. Si tu ne te repens pas, tu leur achètes des voitures, construis leur maison. Ce que ton papa a fait,
C'est ce que tu as fait. Le sien est plus pire que celui de ton papa. Je vous ai rejeté une fois pour toutes. Vous pouvez sauter, aller en air, revenir. Le ciel, c'est fini pour vous. C'est moi, l'Éternel, qui a parlé. L'Éternel Dieu a parlé. EDP, l'Éternel Dieu a parlé. Chers frères et sœurs, donc quand on a présenté cette vidéo-là, c'est-à-dire le ciel est devenu nuageux pour touffler. C'est-à-dire la salle est devenue sombre. Ténébreuse. Et on lui a demandé, est-ce que tu as dit ça? Il dit oui, que c'est Jésus qui lui a dit de dire. Et un des éléments de la gendarmerie qui était présent, un des agents lui demande, un des commandants lui demande. Si Jésus te demande de mettre ta tête sous un camion et va écraser, tu vas le faire. Il ne dit rien, silence, il ne pique plus, silence radio. Et on lui a demandé, si Jésus te demande de mettre ta tête dans le feu, est-ce que tu vas le faire? Silence radio. Et le commandant dit, ok, on avance. Alléluia. Et il nous a fait avaler quelque chose aussi. Il nous a dit que c'est ses frères qui l'ont fait dire ça. Ils sont venus nous balancer ça. Pour dire qu'un jour, des gendarmes sont venus l'arrêter. Et ils l'ont menotté comme ça. Et il a prié. Et dit, Dieu, si c'est toi qui m'as choisi, et a agi. Et en même temps, les menottes ont quitté ses mains comme ça. Ah, ils ont attaché les gendarmes. Et les gendarmes se sont mis à genoux. Et il a prié. Et les menottes sont détachées. On a eu ça. Avec un touffle. On a encore eu ça. Un jour, les policiers sont venus arrêter touffler. Et ils ont vu devant son portail du lion qui a rugi comme ça. Et les policiers ont détalé. On a eu ça. Donc, alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de dire que si vous prenez la Bible de l'alpha à l'oméga, de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ donnait un message à ses serviteurs, les prophètes ou les apôtres, vous verrez que les messages n'étaient jamais inclus d'infectivité ou de méchanceté, d'injure à l'égard des personnes qui devaient recevoir les messages. Même quand c'était un message de mort, le Seigneur ne se donnait pas d'injurier ou d'invectiver ces personnes. D'ailleurs, les Saintes Écritures nous disent dans l'Ancien Testament, n'injuriez pas les gloires. Alléluia. Alors que lorsqu'on prend les différentes révélations du sieur Doufle Koukou Gabriel, vous allez remarquer que ce soit ce message qu'il adressait au président fort Yassine du Togo, au gouvernement, aux opposants. Et quand vous prenez les messages même qu'il adressait au pasteur du monde entier, à commencer par son père spirituel, vous allez remarquer que tous ces messages étaient remplis d'injures, d'invectives, voire même de grossièreté. Et bien aimé, le Seigneur Jésus, plusieurs témoignages de révélations sur l'au-delà, mais on n'a jamais eu des injures. Même si le Seigneur envoie un message à un homme de Dieu, on n'a jamais vu des injures dans ces messages. La particularité, c'est toujours Doufle qui injuriait dans ces messages. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Si quelqu'un t'envoie un message de la part du Seigneur Jésus-Christ et que c'est chargé d'injures, d'invectives ou de grossièreté, balaie du revers ce genre de message-là. Alléluia. Cela ne vient pas de Dieu, mais du malin. C'est Satan qui, dans sa façon de faire les choses, a toujours invectivé les enfants de Dieu, a toujours injurié les enfants de Dieu, a toujours fait sortir de sa bouche des propos grossiers. Des blasphèmes. Alléluia. J'ai ouï dire, selon la dernière vidéo de la propagande de la chaîne YouTube du sieur Doufle Koukou Gabriel, qu'il a été arrêté à cause de la saine doctrine. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose ce soir. Doufle Koukou Gabriel n'a pas été arrêté à cause de la saine doctrine. Jamais. Sans quoi, tous les hommes de Dieu qui prêchent la sanctification au Togo, bien avant Doufle Koukou Gabriel, seraient arrêtés par le gouvernement togolais. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux, je le dis bien, c'est faux et faux. Bien avant lui, il y avait des personnes telles que l'ancien, je le loue, le pasteur Joseph Kofi
Il y a plein d'hommes de Dieu qui enseignent la sainte doctrine au Togo qui n'ont jamais été arrêtés à cause de leurs convictions ou à cause de la sainte doctrine. Il n'est pas le seul qui a reçu révélation sur l'au-delà. Si on dit qu'il est aussi dedans, il y a la sœur Victoire. Amen. À Frank Bedi, à Djakpa. Je veux aussi ajouter la sœur Gracia. Aussi. La sœur Gracia aussi. Ces gens aussi, le Seigneur leur a parlé. Pourquoi n'ont-ils pas? Ils ont porté des messages. Mais il y a eu, il n'y a jamais eu d'injures, autant d'injures. Tout à fait. Tout même pour parler, même de simples brebis, Doufflet doit injurier. Alléluia. Bien-aimés, vous ne remarquez pas la queue du diable dans ces révélations. Vous ne remarquez pas la signature du malicieux, les du injures, malin dans ces révélations. C'est une semence de python. Alléluia. Qu'il envoie pour blesser l'autre. Pour maudire. Pour affecter. Empoisonner, affecter l'autre. Gloire ça à Dieu. Ne vient pas de Dieu. De Dieu. Et la Bible nous a dit que celui qui dira même insensé ou imbécile à son frère, qu'il soit anathème. Anathème. Qui l'a dit? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. C'est comme ça on a passé des heures à présenter nos preuves et il refuse tout. Là où il a dit qu'il sera le prochain président du Togo sans passer par les élections où le Togo va devenir de l'or, des glaciers chauds là. Il a nié tout, chers frères et sœurs. Oh. Il a tout nié. Et on a dit en tout cas, chacun présente ses preuves. Nous, ce que nous avons dit, on a présenté les preuves, on a présenté les enfants qui sont gardés en quantité, qu'on a empêché d'aller à l'école, on a présenté les vidéos et tout ça là. Et figurez-vous, quand on avait organisé la conférence de presse, on a parlé de ces choses. Qu'est-ce que Doufflet a fait? Il est passé derrière maintenant pour aller faire inscrire ses enfants. Tout à fait. Les services de renseignement nous ont dit tout ça. Oui. Et ils ont dit, mais est-ce que les rentrées là, c'est en janvier, que janvier-février, que les rentrées commencent? En septembre. En septembre. Mais Doufflet, juste après la conférence de presse, est allé faire inscrire malicieusement les enfants. Et les services de renseignement ont noté tout ça. On voit qu'il y a vraiment de problèmes. Ils nous ont parlé de tout ça. Donc, après la confrontation, dans la foulée aussi, on nous a déjà annoncé depuis le jour où ils l'ont arrêté. Oui. On nous a dit qu'il est gardé au violent. Nous, on a annoncé pour que le peuple de Dieu, qui est toujours manipulé par le sieur Doufflet, cesse de venir au Togo. Nous, on a annoncé ça. Et qu'est-ce que Doufflet a fait? Puis, son arrestation, il a réussi à manipuler les agents pour dire, bon, permettez que je reçois des appels. Et il dit, bon, vas-y. Et depuis son lieu d'arrestation, il appelle les gens. Les gens l'appellent pour déclarer. Il dit, ah, j'ai vu sur Internet, tu as été arrêté. Il dit, non, est-ce que je suis arrêté? Est-ce que quelqu'un qui est arrêté peut parler au téléphone? Ah, c'est des mensonges. Nous, on a ri. Je tiens à ajouter que lorsque vous êtes arrêté, que ce soit au commissariat, à la gendarmerie, au service des renseignements, même en prison, le droit vous permet de communiquer avec l'extérieur. Et ce n'est pas parce que le droit vous permet de communiquer avec l'extérieur que cela veut dire que vous êtes en liberté, que nenni. Je peux continuer. Alléluia. Donc voilà, chers frères et sœurs, et c'est ça, ils ont sorti une vidéo contre nous pour nous traiter de menteurs, pour nous traiter de tous les noms. Nous, on est impétuables parce que c'est de bonne guerre. La guerre entre le mensonge et la vérité. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Et nous savons que la fin de cette guerre-là, c'est la lumière qui va triompher. La fin de cette guerre-là, c'est la vérité qui va triompher. C'est le Christ qui va triompher. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas. Jamais. Toujours. Alléluia. Les ténèbres ont été dissipées. Donc, nous sommes venu, après la confrontation, on nous a dit, bon, vous pouvez partir. Mais on nous a rappelé pour dire, bon, voilà. Et est-ce que vous avez une dernière élément? On a dit non. Nous, on a été diffamés et tout ça. Il a raconté plein de bêtises sur nous. Alors que nous, on l'a juste demandé de se repentir. Tout à fait. Donc, on a présenté les faits. Et quand on a présenté les faits, on nous a demandé maintenant. Voilà, nous on a dit ok. Et même quand on était avec lui dans le bureau du commandant, chers frères et sœurs, je vous dis, Dieu le Seigneur, il est témoin. Si nous avons travaillé pour emprisonner Doufflet, le Seigneur, il est témoin.
Alléluia. On cherchait même des moyens juste pour qu'il reconnaisse qu'il a été manipulé par le diable et qu'il demande pardon et qu'il accepte de libérer le peuple de Dieu pour que les gens rentrent dans leur pays. On a cherché tous ces moyens avec Touffé, mais Touffé rempli d'orgueil, rempli du fanfaron, rempli de l'égoïsme, rempli de tout ça là. Rempli de Léviathan. De Léviathan, il ne veut pas céder une seconde. On a dit, ok, si c'est peut-être en prison qu'il va se repentir, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. On a fait notre travail. Et c'est comme ça, le procureur nous a reçus. Et dans le bureau du procureur, on a eu aussi confrontation devant le bureau du procureur. Tout à fait. Et le procureur est vraiment étonné de tout ce que cet homme a raconté dans le pays, de comment cet homme demande aux gens de venir devenir milliardaire et les gens l'ont suivi. Et le procureur n'a pas manqué de demander à son lieutenant Love pour dire, mais toi, tu as cru à ça? Il dit oui, que lui aussi. Il croit et il attend. Il attend que ça se... Voilà, de devenir milliardaire. Voilà. Et on a posé aussi une question à missionnaire Bell. Et il a commencé par bégayer. Le procureur dit, attends, tout ça là, et devant un juge, vous aurez le temps de vous défendre. Donc c'est comme ça, le procureur a dit, ok, on vous retient pour que votre dossier soit confié à un juge et vous aurez le temps de vous défendre. Donc voilà un peu la situation. Le résumé. Hein? Il y a eu beaucoup de choses que nous avons ratées, mais voilà à peu près le résumé de cette nébuleuse. Et de la secte Israël spirituelle, comment tout s'est passé. Et nous bénissons vraiment le Seigneur, même si c'est avec chagrin, avec douleur que nous en parlons. Mais et au finish, c'est notre Seigneur Jésus qui a été glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je continue. Nous vous présentons les différents chefs d'accusation qui porte contre la personne du sieur Douffé Coco Gabriel. Le premier chef d'accusation qui porte contre lui, c'est tentative de coup d'État, insurrection, trouble à l'ordre public, puisque dans ses vidéos et dans ses livres depuis 2011, voilà, il disait, en tenue militaire. Voilà, il disait que le président Faure Gnassingbé du Togo allait mourir de façon extraordinaire et que c'est lui qui allait prendre le pouvoir. Je tiens à vous signifier ici que c'est vraiment une inspiration du diable qui lui a fait dire cela. Et que jamais le Seigneur nous a envoyé ici-bas pour être des rois ou des présidents, mais des rois au ciel. C'est pourquoi le Christ se fait appeler le roi des rois ou le roi de gloire. Ce qui veut dire qu'en dessous d'un roi des rois, il y a d'autres rois. Et notre royaume n'est pas ici, n'est pas terrestre, mais il est céleste. Alléluia. Et Jésus-Christ a travaillé pendant son ministère. Il a été confronté aussi à des problèmes. À une situation. Jésus n'a pas maudit l'empereur romain. Tout à fait. Jamais. Jésus-Christ n'a pas insulté. Alléluia. Je disais, quand l'occasion s'était présentée. Tout à fait. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle, pouvait insulter quelqu'un. Comme l'empereur César, où on lui a présenté et une pièce d'argent qui porte l'effigie du roi César, de l'empereur César. Les gens l'avaient piégé pour voir est-ce qu'il va mal parler contre l'empereur. Tout à fait. Et il n'est pas tombé dans ce piège. Pour rappel, il a dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Si c'est à Douffé qu'on a présenté cette pièce de monnaie, Douffé va dire, César c'est un escroc. C'est un maudit. Ne payez plus d'impôts à l'empereur. Il couche avec des filles vierges. Il couche avec des filles vierges. C'est un bandit. C'est un escroc. Il vole l'argent de l'État. D'ailleurs, je vous le dis, en 2016, quand il y a les élections au Bénin, vous vous rappelez de la fausse prophétie qu'il avait donnée. Et il a fait le CD, il a fait la vidéo, il nous a demandé, il nous a même demandé de graver, de distribuer, c'était une bombe, chers frères et sœurs. On allait se faire arrêter. Et on serait même en prison. Le Seigneur nous a fait grâce.
Il a annoncé que c'est tel président qui va prendre le pouvoir et c'est le contraire. Et dans cette vidéo même, le président qui a pris le pouvoir aujourd'hui, il le traitait de chien. Tout à fait. Il le traitait de tous les noms, de porc. Vous imaginez que c'est Jésus qui parle comme ça? Il agit de la sorte. On a été manipulé, on était dans l'ignorance, on ne savait rien de tout ça. Mais le Seigneur a aussi permis que nous restions dedans pour découvrir ou que aujourd'hui, vous ayez aujourd'hui ces choses. Sinon, peut-être que ça n'arriverait jamais. Tout à fait. Parce que la personne a tellement d'assurance. Et tu vas dire que celui-là, il est descendu du ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième chef d'accusation est séquestration sur enfant. Dans sa doctrine, il enseigne aux uns et aux autres que comme ils seront multimilliardaires en euros, ils n'ont pas besoin d'inscrire leurs enfants à l'école. Bien-aimés, nous savons tous que lorsqu'on va à l'école, ça peut devenir quelqu'un demain dans la société. Amen. Et comme il a trouvé une ramification, il dit aux parents, c'est pas la peine. Alléluia. Et il a fallu notre intervention relative à la conférence de presse pour que rapidement, Doufflet Kokou Gabriel inscrive ses enfants soit dans des écoles privées ou soit dans des écoles de formation. D'ailleurs, c'est courant mi-janvier, mi-février que ces enfants-là ont tous été inscrits. Je vais dire qu'on n'est pas dupes. Gloire à Dieu. Le second chef d'accusation qui porte contre la personne de Doufflet Kokou Gabriel, c'est injure publique à l'égard du président, diffamation à l'égard du président de la République du Togo, en l'occurrence, son Excellence Fort Yassine Yadema. Voilà. Gloire à Dieu. Et le quatrième, il faut dire qu'il y en avait 29. Jusqu'au 11 mars 2020, il y avait 29 chefs d'accusation contre lui. Et donc, je vous donne les points saillants. Et l'autre point saillant de ces chefs d'accusation, c'est diffamation et injure publique contre la personne de l'évangéliste Afolabi Bart, contre la personne de l'évangéliste Jean Gratien et contre la personne de votre serviteur, l'apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Et donc, voici quelques-uns des principaux chefs d'accusation qui ont été lancés contre le sieur Doufflet Kokou Gabriel. Et donc, vous voyez bien que dans ces différents chefs d'accusation, il n'y a pas de chef d'accusation qui dit que comme il allait prêcher Jésus dans un endroit public, comme il allait annoncer Jésus dans un hôpital ou à un carrefour, il était arrêté. Que nenni, c'est un mensonge que sa chaîne de propagande YouTube, dénommée Jésus Isaac, dit quand il signifie qu'il était arrêté, il est emprisonné pour la sainte doctrine. C'est archi faux. Et vous qui êtes ses adeptes, vous qui êtes enfants de Dieu, qui êtes dans ce camp, vous savez pertinemment que vos enfants ont été inscrits, et je vous prends à témoin, vos enfants ont été inscrits dans des écoles, dans des établissements privés ou au public, que entre le mois de février et le mois de mars. Alléluia. Nous savons tous que Gabriel n'a point été arrêté parce qu'il enseignait la vérité. Il était arrêté parce qu'il menace de prendre le pouvoir de façon extraordinaire, parce qu'il a fait jeûner des personnes pendant des années contre la vie du président Faure Yassimou et également du Togo, parce qu'il a prophétisé, il a déclaré que de façon extraordinaire, il va prendre le pouvoir. D'ailleurs, plusieurs de ses vidéos le stipule. Vous n'avez qu'à aller sur sa chaîne de propagande YouTube et vous le verrez en tenue militaire, en tenue de parents commando, avec une barrette de général 3 étoiles. Chers frères et sœurs, je vais vous donner une petite précision. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des défenseurs d'un pouvoir politique. Tout à fait. Nous sommes droits dans notre botte, nous sommes des défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. La sainte doctrine. Et nous disons, tous les faux serviteurs, ça a bien commencé maintenant. Nous-mêmes, on n'a pas peur d'aller en prison pour la sainte doctrine. Oh, c'est la vérité. Tous les faux serviteurs qui seront encore envoyés dans la bergerie de Christ là, nous allons les exposer. Vous allez nous croiser sur votre chemin. Alléluia. Nous allons vous exposer et au déjà, nom ça de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous craignons si nous ne faisons rien? Doufflet a déjà préparé psychologiquement l'esprit de tous les âmes qui sont avec lui, qui ont quitté l'extérieur. Et dans leur tête, c'est que dans le mois de mars, Doufflet sera président
de la République. Du Togo. Et figurez-vous que le moment arrive et effectivement il n'est pas allé et il n'est pas élu président. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme devant il a préparé les gens de il est très craint de tout. Il est devenu un dieu. Il est devenu un dieu et tout ce qu'il dit c'est à exécuter sans réclamation. Si tu murmures même contre sa décision, c'est que tu as péché contre le Saint-Esprit. Donc nous autres, ce que nous voyons venir est qu'un jour, qu'il se lève pour dire que voilà, Dieu lui a dit c'est fini, que tout le monde marche maintenant vers le palais, comme on a fait écrouler le mur de Jéricho, et que lui, Dieu va les aider à prendre le pouvoir. Bouffé est capable d'annoncer ça. Il en est capable. Et le peuple de Dieu, innocemment, se feront massacrer. Pas des âmes. Le Seigneur nous a mis tous ces choses-là à cœur et nous avons agi pour arrêter la saignée. Sinon, Touffé va envoyer les pauvres populations, les pauvres âmes de Dieu, brebis de Christ à l'abattoir. À l'abattoir. Et ils vont se faire massacrer et vont aller en enfer. Voilà. Alléluia. Donc, nous, on n'a pas agi pour défendre un pouvoir. On n'a rien à foutre de la politique. Ceux qui ont dit qu'on est en train de politiser l'affaire. Ils veulent qu'on laisse Touffé faire massacrer les brebis de Christ pour lequel Jésus est allé sur la croix de Golgotha. J'ai même honte de certains pasteurs qui nous soutiennent, qui font semblant de nous soutenir et qui en même temps appellent Touffé pour lui dire que oui, pour lui faire le rapport. On n'a même pas eu peur. Parce que ce qu'on peut dire derrière Touffé, on peut le dire devant Touffé. Et j'ai on l'a même dit devant Touffé. Quand j'ai vu Touffé, j'ai dit, toi Touffé, je lui ai dit, d'abord, je suis plus âgé que Touffé. Il est de 85, moi je suis de 84. Et je lui ai dit, je ne vais plus jamais t'appeler homme de Dieu. Je vais t'appeler clairement, Monsieur Touffé Gabriel là. Tu nous as blagué Monsieur pendant Touffé tout ce... Monsieur Touffé Romeo, voilà son nom à l'état civil. Voilà. Tu nous as blagué Gabriel pendant tout ce temps et tu nous as mis dans ta bouteille et il ne sait pas quoi dire. Touffé, je vous dis, j'ai dit à l'agent qui nous a reçu devant Touffé, j'ai dit monsieur l'agent, dans mon pays le Bénin, les gens utilisent l'ordinateur pour arnaquer, qu'on les appelle des gaïman. Mais Touffé, lui, pour faire son gaï, pour faire son arnaque, il a pris la Bible et ça déchire le cœur de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons pas garder le silence. En Côte d'Ivoire, on les appelle les brouteurs. Les brouteurs. Voilà. Il a arnaqué les brebis de Christ pour les mettre dans sa bouteille. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Les utiliser pour prendre le pouvoir. Des canons à pâté. Voilà. Des boucliers pour prendre le pouvoir. Et ça n'a pas fonctionné. Tout à fait. Donc, voilà, chers frères et sœurs, les chefs d'accusation sont présentés. Nous allons lancer cet appel au peuple de Dieu, aux brebis de Christ. Hein, les vierges sages. Pour lesquelles nous avons mené ce combat. Voilà pour lesquelles nous avons mené ce combat. Chers frères et sœurs, nous avons passé tout le temps pour appeler Touffé à la repentance jusqu'à la dernière minute, avant qu'il ne se présente devant Touffé. Mais il ne se s'est jamais senti parce que il compte sur son agent. Il pense qu'il peut manipuler les agents de la gendarmerie. Ça n'a pas fonctionné. Il pense qu'il peut manipuler l'opinion par des journalistes qu'il a payés. Ça n'a pas marché. Même la dernière audience qu'on a faite devant le procureur, il est venu avec son journaliste qui l'a aidé. Son journaliste ventricole. Hein? Il a fait venir. Hein? Il a fait venir en pensant que Lorsqu'il va sortir victorieux du bureau du procureur, on va lui tendre un micro et il va faire une interview pour dire voilà, Jésus est avec moi, je suis un vrai homme de Dieu et il va bombarder ça et tout le monde va encore rentrer dans sa bouteille. Mais l'Éternel a dit, j'ai déjà cassé la bouteille, j'ai déjà démoli le système, donc il n'y a plus rien pour bouffer. Et nous voulons vous dire, chers frères et sœurs, vous qui pensez que Touffé est un appelé de Dieu, nous sommes désolés de vous dire que nous avons été tous bernés.
nous avons été tous trompés. Oui. Et c'est une occasion de plus. Cette situation nous appelle à plus de vigilance. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Si un homme de Dieu vient vous parler pour dire c'est Dieu qui m'envoie là, nous allons prier pour demander son identité spirituelle. C'est très très important de demander l'identité spirituelle. C'est très important. De ceux qui disent être vos bergers. Une soeur depuis l'Angleterre nous a signifié qu'elle a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la soeur a reçu le message sur la sanctification, elle a cherché une chaîne sur laquelle elle peut vraiment s'employer. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur la chaîne de Josué, Isaac et Isidore. Donc, elle a commencé par échanger avec Isidore, tout ça là. Et arrivé à un moment, Isidore commence par lui parler de Douffré. Pour lui demander à celui que Dieu a choisi maintenant pour enseigner le monde, pour diriger le monde dans la sainteté, c'est Douffré. La sœur dit, mais en tout cas, moi, je ne connais pas Douffré, mais il faut que je prie pour demander qui est Douffré à mon Seigneur. Et c'est comme ça, la sœur a prié pour demander l'identité spirituelle de Douffré. Qu'est-ce que le Seigneur lui a montré? La sœur, dans une vision, le Seigneur lui a montré qu'elle s'est retrouvée dans une grande conférence, et il y a un personnage devant et assis sur un siège en or, habillé en blanc. Et des gens sont venus, plein de gens, et les gens viennent s'incliner. Elle est impressionnée, dit mais celui, elle voit que c'est Douffré. Et elle veut même, elle aussi veut s'incliner. De s'approcher pour s'incliner. Pour demander. Et la voix lui dit, attention, ne te fie pas à l'apparence, mais baisse-toi pour regarder ce qui est caché là. Et elle a baissé pour regarder en bas, pour voir ce qui est caché dans ce personnage. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un ovni, un démon, c'est-à-dire un reptilien. Comme les ovnis, les extraterrestres, les démons. Tout à fait. C'est ce que la sœur a vu. Oui. Et le personnage parlait comme un dragon. Voilà, avec une voix caverneuse. Avec une voix comme les démons. De démons. Oui. Et la sœur a pris peur. La sœur dit, c'est ça. Et le Seigneur lui a dit, voilà. Tu m'as demandé, je t'ai montré. Et la sœur s'est réveillée. Et naïvement, la sœur a même, parce qu'elle était toujours en contact avec Josué Isaac, la sœur a appelé Josué Isaac pour lui narrer la vision qu'elle a reçue sur le Douffré. Et qu'est-ce que Josué Isaac va lui dire? Josué Isaac va lui dire que, comme tu as douté, c'est à cause de ça que Satan t'a manipulé pour te montrer cette vision. Josué Isaac n'a jamais montré et n'a jamais partagé ce témoignage, alors que dans le temps, il partageait tous les messages de la sœur, même les appels téléphoniques qu'il faisait avec la sœur. Et la sœur lui dit, j'ai eu telle vision. Josué Isaac partageait tout, mais ça là maintenant, il n'a pas partagé. Donc c'est pour vous dire que nous avons été vraiment bénis, mais ces choses nous enseignent aussi. Et il y a de l'espoir. Si le Seigneur nous a délivré des griffes de Douffré, ça montre que Jésus-Christ est réellement avec nous. Et il ne laissera pas ses enfants être trompés jusqu'à aller en enfer. Mm-hmm. Surtout ceux qui sont réellement programmés pour le ciel, ils ne tomberont pas dans ces. Et même s'ils tombent dans le piège, ils vont se relever. Qui ont pris contact avec Douffré, tous leurs églises ont été saccagées. Je vous dis la vérité. Il y a même un pasteur au Bénin, quand Douffré est venu faire conférence et croisade au Bénin ici, dès que Douffré a pris contact avec ce pasteur, aujourd'hui ce pasteur, sa vie est démolie. Douffré a même fait alliance avec ce pasteur, il a fait pacte avec ce pasteur, et c'est ce qui a détruit le pasteur, parce que l'esprit qui travaille dans Douffré a pris corps dans le pasteur, et l'esprit a commencé par travailler dans la maison du pasteur à travers un esprit qui a annoncé au pasteur que aujourd'hui sa maison aussi est devenue Israël spirituel. Et c'est ce qui a détruit aujourd'hui la maison du pasteur, la vie du pasteur, son foyer est saccagé. Le pasteur est actuellement introuvable dans sa famille. Voilà les dégâts que Douffré a commis. Je vais même ajouter qu'il a détruit des carrières. Des carrières. Vous voyez, après avoir détruit les hommes de Dieu, les familles,
des foyers. Et tout ça là maintenant, il veut maintenant attaquer le Togo. Son pays, le Togo. Hein? Vous voyez très bien l'esprit qu'il anime. Togo, et il prend la tête de la mouvance et il va coller avec l'opposition. Et il va insulter tout le monde. Lui, il ne connaît personne. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé sur son trône pour lui dire, arrête, tu n'as aucun pouvoir, je t'arrache ton trône. Et aujourd'hui, voilà là où il s'est retrouvé. En ce qui concerne l'esprit de division qui anime Boufflé Coucou Gabriel, voici ce que la Bible dit dans le livre de Romains 16, versets 17 à 18. Je lis la parole de notre Seigneur avec respect. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, yes, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Mm-hmm. Éloignez-vous d'eux. Mm-hmm. Au verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, non, mais leur propre ventre. Yes. Et par des paroles douces et flatteuses, séduisent les cœurs des simples, comme beaucoup d'entre vous ont été séduits aujourd'hui. Voilà. Alléluia. Et vous avez envoyé vos sous, vos dîmes et tout ça. Il a érigé un palais présidentiel, mais il n'habitera pas. Non, je vous le dis, c'est la vérité. Il n'habitera pas. Et donc, chers frères et sœurs, nous voulons vous dire que ceux qui pensent que le message de la sanctification est devenu un problème, et qu'on fuit tout ça là, il n'en est rien. Les gens prêchent la sanctification depuis la Bible et il n'y a jamais eu autant de choses là. C'est parce que Satan a vu que, par le message de la sanctification, les vrais brebis de Christ sont en train de se regrouper. De se et pour les capturer maintenant, ils envoient ces faux. Il y a un autre cas dont nous allons parler. Je vais revenir. C'est pour vous parler après de la situation de la sœur Ken. Avec le fameux pasteur Christian. Le fameux pasteur Christian qui a mis Sainteté TV alors qu'il n'a jamais prêché la sainteté. TV. Il ne partage pas les valeurs de la sainteté. Il met Sainteté TV pour capturer d'autres âmes encore. Les âmes de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vous dis, on en revient sur son cas. On n'est pas pressé. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, ayons le discernement et soyons vigilants. Les messages sur le ciel et l'enfer, je vous dis, par ces messages-là, le Seigneur nous a donné beaucoup d'informations. Mais malheureusement, Satan veut aussi s'approprier de ce message pour créer la confusion dans nos rangs. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce. On peut prier, le Seigneur se révèle. Même avant-hier, une sœur m'a envoyé un message, elle a prié, elle a demandé l'identité de certains pasteurs Scar. Mais le Seigneur lui a montré des images terribles. Ce qui me dit que le Seigneur aujourd'hui, il répond à ses enfants. Ne soyez pas paresseux, chers frères et sœurs. Priez et méditez la parole. Si vous suivez un témoignage, une révélation, où la personne dit que, par exemple, la personne dit qu'il a vu Judas au ciel là, allez sur vos genoux. Vous priez pour dire, Seigneur, est-ce que réellement Judas est au ciel? Tout à fait. Donc c'est un indice que je vous donne. Amen. Si la personne bande dans son témoignage pour dire, Dieu m'a dit, les femmes en menstruation ne doivent pas venir à l'église, il faut que tu vas sur tes genoux. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, le diable a créé ces troubles, ces confusions pour jeter de discrédit, sur le message de la sanctification, les dépouillements, et pour jeter aussi de discrédit sur les révélations, sur l'au-delà, par lequel le Seigneur est aujourd'hui en train d'enseigner son peuple sur des thèmes spécifiques que les faux pasteurs ne vont jamais enseigner. Donc ils se refusent royalement d'enseigner. Alléluia. Je proteste que cela ne fait pas recette. Alléluia. Donc, c'est pour vous rassurer qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Amen. Le Seigneur a promis par plusieurs bouches qu'il va finir avec le sueur d'Oufflé. Et le Seigneur l'a accompli. Et notre prière pour lui est que, depuis sa cellule, qu'il rencontre le vrai Jésus maintenant. Qu'il croise le vrai homme de Galilée. Parce que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Maintenant, il faut qu'il prie. Il se repent, qu'il reconnaît qu'il a été vraiment manipulé. Et sa situation, je vous l'ai déjà dit. Quelqu'un à qui on a dit, on va te faire délivrance. Et tu as fui. Ça veut dire que les démons qui étaient en lui
avant qu'ils ne commencent de travailler, ces démons ont ressurgi, ont pris de force. Se sont amplifiés. Voilà. Dès le moment qu'il a reçu de refuser de subir la délivrance. Et il y a aussi un élément. Si le lieutenant, ceux qui étaient avec lui, nous ont dit que Toufflet a été effectivement au Nigeria pour prendre le pouvoir. Il allait rencontrer le puissant. Un homme qui s'appelle Kofi. Sotoglo. Oui. Donc on a eu tous ces éléments-là. Qui lui a fait avaler un anneau magnétisé. Pour faire et croire ces mensonges tout à fait. Tout le monde. Pour s'imposer à tout le monde. Donc c'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, il n'y a pas péril dans la maison. Suivez la voie de notre Seigneur Jésus. Ayez votre Bible. Et quand vous voulez suivre une révélation dès maintenant, ayez votre Bible à côté. Et nous aussi, nous sommes disponibles, chers frères et sœurs. Même si je ne peux pas, s'il y a un sujet sur lequel je ne peux pas vous apporter de réponse, nous pouvons prier, demander au Seigneur. Le Seigneur va nous donner réponse. Et il y a aussi des serviteurs de Dieu avec qui nous travaillons. Effectivement. Tout le monde ne peut pas commettre d'erreur. Il y aura forcément quelqu'un que le Seigneur va utiliser pour apporter l'éclairage sur le sujet. Donc, nous sommes ouverts. Et nous voulons aussi demander à aux victimes qui sont encore dans les griffes de Toufflet. Regardez ce que Toufflet a dit et a fait avec le lieutenant José Isaac. Au lieu de demander pardon à Dieu et au peuple de Dieu qui l'a manipulé, après son incarcération, ils ont sorti un message pour demander à tous les âmes de lancer un jeûne indéterminé. Vous voyez, il veut conduire les gens au suicide. Tout à fait. C'est de la mascarade. Ça ne peut pas porter. Ça ne peut pas porter. Et ça ne portera même pas. Comment Dieu va exaucer? Dieu va t'exaucer dans le mensonge. Dieu t'a déjà averti plusieurs fois. Et tu ne t'es pas repenti. Maintenant, tu as été capturé. Et tu demandes aux gens, aux femmes, hommes, enfants, de jeûner de façon indéterminée pour toi. Pour que tu sois libéré. C'est de la folie, chers frères et sœurs. Et nous voulons dire à ceux qui sont en train de faire ce jeûne-là, c'est que vous êtes en train d'attirer malédiction sur vous. Sur vous-même. Ça ne portera aucun fruit. Tout à fait. Ça personne, ne portera. Personne ne peut influencer Dieu. Toufflet n'est pas en procès avec un homme, mais il est avec Dieu. Il est en procès avec Dieu. L'esprit de dragon qu'il a incarné, cet esprit a été déjà jugé pour l'enfer. Alléluia. Donc Toufflet ne peut pas résister. Lui ne peut résister. L'orgueil ne peut pas résister devant Dieu. Tout à fait. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Alors nous vous demandons, vous qui, par ces messages, vos yeux vont s'ouvrir parce qu'il a demandé que personne ne suive les choses. Mais vous qui allez suivre, nous vous demandons de prier pour votre délivrance. Tout à fait. Pour les semences que Toufflet a semées en vous là. C'est des semences de python. En prenant vos noms. Et les noms de vos enfants. Vos noms que vous avez envoyés, sur lesquels il va rester nu. Pour prier. On a eu tous ces éléments. C'est la pure vérité. C'est de la vérité. Chers frères et sœurs, c'est des choses qui ne supportent pas qu'on parle. Mais le Seigneur nous a donné la puissance pour dévoiler tous les secrets. Alors je vous dis, chers frères et sœurs, les temps sont finis. Oui. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas peiner par un gourou. Aucune des prophéties qu'il a dit à dire n'aura de l'effet. Nous qui vous parlons, nous vous demandons de prier pour demander notre identité spirituelle. Si vous voyez que nous sommes un démon là, il faut nous informer et on va venir vers vous pour une délivrance. Tout à fait. Nous, on ne va jamais fuir une délivrance. Hein. Si quelqu'un m'appelle pour dire, évangéliste Jean Grasset, j'ai vu que tu es un démon là. Ah, si c'est un pasteur, je vais dire, ok, priez pour ma délivrance. Tout à fait. Alléluia. Si le Seigneur a pu délivrer un fou, le fou de Gadala, qui est rempli de millions de démons, le Seigneur est capable encore de délivrer. Mais si l'homme fuit, qu'est-ce qu'on peut pour lui? Donc, chers frères et sœurs, nous vous disons, même vous qui voulez qu'on vous aide pour votre restauration spirituelle, parce que nous craignons même que derrière cette situation, beaucoup vont devenir fous, malheureusement. Beaucoup vont devenir fous parce que, imaginez des gens qui ont vendu son œuvre en Europe et qui vient au Togo pour devenir milliardaire et du jour au lendemain, le milliard s'est transformé en chimère, en utopie, et la tête est capturée. Qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, beaucoup vont devenir
dépressif. Alors, et ça a déjà commencé malheureusement. Nous vous appelons, nous sommes ouverts. Vous connaissez mon numéro, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Nous sommes disponibles à vous soutenir dans la prière pour votre restauration. Nous sommes disposés à vous aider. C'est pas quand nous sommes en train de réclamer les brebis de Doufléau. Non, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, les brebis ne sont ni à Doufléau. Ne vont ni à Doufléau. Les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les brebis appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ est descendu pour arracher les brebis de la gueule du lion, du dragon. Et je veux ajouter quelque chose. Le salut ne se trouve pas au Togo. Je veux rappeler à nos frères, à toutes ces âmes qui sont au Togo, que le salut ne se trouve pas au Togo. Pour avoir le salut, vous devez pratiquer la parole de Dieu et demeurer à vos postes. Demeurez dans le pays dans lequel le Seigneur vous a appelé, où vous êtes né. C'est tout. Alléluia. Pour finir, nous allons lire un passage, le livre de Job 20, par lequel le Seigneur a déjà averti Doufléau. Alléluia. Le livre de Job, chapitre 20. Nous allons lire pour finir. Voilà comment Dieu traite les orgueilleux, les méchants, les incrédules, ceux qui dressent leur corne, leur bouc, qui refusent de se soumettre à Dieu. À Dieu pour écouter son avertissement, pour se repentir. Voyez comment Dieu les traite. Et ce verset-là, le Seigneur nous a donné par révélation et nous avons publié. Mais ça ne touchait pas le cœur de Doufléau parce que c'est un cœur fébrile. Endurci. Mais vous, nous allons vous lire ça et vous allez comprendre qu'il y a longtemps que Dieu l'a averti. Je lis la parole de Dieu avec respect. Job chapitre 20, à partir du verset 5. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élevera jusqu'aux cieux, oui. et que sa tête touchera aux nues, il périra pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, mais où est-il? Où est-il? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il s'envolera comme un songe. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Au nom de Jésus. Verset 9. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Amen. Et le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres. C'est pas notre souhait, oh. C'est la parole de Dieu. Et ses mains restitueront tout ce qu'il a pris par la violence. Hein? La vigueur de la jeunesse. Hein? La vigueur de la jeunesse. L'orgueil. Qui remplissait ses membres. Et il tapait la poitrine. Quand il parlait, il s'en fichait de tout le monde. De tout le monde. Il s'en fichait de tout le monde. Hein? La Bible dit, la vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Il est déjà dans la poussière, dans la prison. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue par les blasphèmes. Les injures, les mépris, les diffamations à l'égard des hommes de Dieu, à l'égard des hommes de Dieu, à l'égard des femmes, des enfants de Dieu, des dirigeants de son pays. Hein? Mais sa nourriture, hein? Et verset 13, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera comme dans ses pays. Entrailles, ça va le détruire, ça va le ronger. Il est déjà dans la réalité. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Voici une affaire que Doufléau a créée. Nous avons eu ça récemment. Il a dit aux pauvres âmes qui sont tombées dans son filet que il se pourrait que les gens, même après l'enlèvement, trompent Dieu. Et que Dieu, pour s'assurer qu'ils ne vont pas le tromper, il a demandé qu'on dépose une
caution, une garantie de 12 000. Oh, c'est de la folie. Bien aimé, je suis dans... Et que au ciel... Les mots me manquent. Et que au ciel, car les gens, même si les gens vont tromper Dieu, ils vont regarder, est-ce que celui-là, il a payé la caution, il a payé les garanties. Vous ne voyez pas que c'est purée. Il va les laisser les pardonner. Vous ne voyez pas que c'est enfantin, c'est de l'arnaque. C'est de la marmaille. C'est de l'arnaque. Soufflé est pire que tous les marmailleurs que nous connaissons. Tout à fait. Nous continuons. Il a englouti des richesses, il les vomira. Au nom de Jésus-Christ. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Nous ne voulons pas sa mort. Mais nous voulons que... La mort de l'esprit du dragon qui l'habite. Du dragon qui l'habite là. Que cet esprit soit mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Voilà. Il rendra ce qu'il a gagné. Et n'en profitera plus. Oui. Il restituera tout ce qu'il a pris. Oui. Et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Oui. Vous voyez les dégâts que Douflé a commis. On a déjà tout raconté. Son avidité n'a point connu de bord. Mais il ne sauvera pas ce qu'il a de plus cher. Non, pas du tout. Rien n'échappait à sa voracité. Mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se levera sur lui. S'il avait attendu une seconde là, les gens allaient se jeter sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de trait. Au nom de Jésus-Christ. S'il s'échappe aux âmes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sorti de ses entrailles. Et il est en proie aux terreurs de la mort. Allez voir ce qui se passe dans la prison civile. Vous allez comprendre ce passage-là. Toutes les calamités sont réservées à ces trésors. Voilà. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Voilà. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons parlé. C'est écrit. C'était en plein combat que le Seigneur nous a donné ce verset-là et dit, prophétisez et annoncez ça pour qu'il sache ce qu'il attend. Et ça a bien commencé. Nous sommes désolés. Jésus-Christ reçoit toute la gloire. Amen. Voilà et les détails que nous pouvons vous donner sur cette affaire. Amen. Et nous n'avons pas pu tout aborder, mais nous pouvons vous dire que le dossier Douflé est maintenant rangé. Il a été définitivement arrêté. Il est arrêté. Le reste du processus judiciaire est en cours. Mmh. Ça suit son cours. Oui. Nous, on a fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Alléluia. Le reste reste au niveau de la justice. Alléluia. Donc, notre mission est accomplie. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur. Amen. Qui nous a vraiment ce qu'il a promis, il l'a fait. Amen. Il nous a dit, lorsque je vais finir avec Douflé, même un vermisseau aura plus de valeur que lui. Alléluia. Alléluia. Il a été clair et il a accompli. Donc aujourd'hui, nous ne crions pas même
comment dirais-je, nous ne nous réjouissons parce qu'il était arrêté. Qu'il est arrêté, non, ça nous fait du chagrin. Ça nous fait vraiment du chagrin. Dieu est témoin de tout ce que nous avons joué pour qu'il se répande, mais il a averrouillé son cœur. C'est réellement le cœur. Le cœur du dragon, c'est difficile à déverrouiller. Mais il a affaire avec Jésus-Christ, non? Et voilà la fin du film. Donc, nous voulons vous bénir, vous tous, qui nous avez soutenus aussi merci dans la prière. Parce que des gens jeûnaient 21 jours, 40 jours pour que nous mourons, pour que nous soyons tués par accident, pour qu'une maladie nous atteigne, pour que nous soyons dévorés et pour que... Vous ferez cri victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Rien de tout ça l'année arrivée. Vous avez prié contre c'est nous. Grâce à vos prières, grâce que nous avons à eu votre la force. Amour que le Seigneur nous a réellement donné la force et on est allé jusqu'à la victoire. Et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Désormais, les faux prophètes, les gourous, les faux pasteurs francs-maçons, qu'il y a des gens comme Shadrach, Meshach et Abednego qui sont sur la terre, qui vont leur dire: non, vous n'êtes pas de nous, vous n'êtes pas des nôtres. Sortez du milieu de nous. Allez ailleurs, allez chercher vos adeptes ailleurs. Ne venez pas dans la bergerie. Touchez aux cinq vierges sages. Alléluia. Ne venez pas toucher aux vierges sages. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais laisser l'homme de Dieu pour la prière de clôture. Bien-aimés, nous allons nous disposer, nous allons faire la prière de la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi. Elohim, Adonai, Alpha et Omega, Emmanuel, Shiloh, toi dans le nom, et je suis celui qui est, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu nous enseignes dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, tu as commencé, tu as achevé. Seigneur, je me rappelle de cette parole que tu nous avais dite depuis l'année surpassée. Lorsque j'aurai fini avec Douflé, Coco, Roméo, même qu'un vermisseau aura plus de valeur que lui. Et Seigneur, tu as accompli ta parole. Seigneur, nous remarquons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Elohim, nous voulons te dire merci. Et merci pour toutes les personnes que tu as mises devant nous, qui nous ont aidés à clore ce dossier. Seigneur, nous te confions l'âme de tous nos frères et de toutes nos sœurs qui sont dans ce camp et qui espèrent en des lendemains meilleurs. Seigneur Jésus, révèle-toi à tes enfants et donne-leur la possibilité de sortir de ce camp de concentration pour l'enfer et de retourner à leurs différentes occupations et de retourner à leur nation. Amen. Et de retourner à leur famille et de retrouver leur foyer, de retrouver leurs époux, de retrouver leurs épouses, de retrouver leurs enfants, de se repentir, de chercher leur délivrance et de reprendre leur quotidien. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que celui qui parle beaucoup pêche. Seigneur, si nous avons invectivé, si nous avons blessé quelqu'un, si nous avons fait du mal à quelqu'un, Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce. Amen. Elohim, pardonne-nous. Amen. Elohim, pardonne-nous. Amen, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toujours marcher dans ta lumière. Amen. Donne-nous la force, la capacité de toujours marcher dans ta vérité. Amen. Et donne-nous d'être les défenseurs de la vérité. Amen. Donne-nous d'être amoureux de vérité. Amen. Et de combattre les ténèbres, de combattre le mensonge, Seigneur, de combattre tous ceux qui tenteront de s'attaquer aux cinq vierges sages. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce combat. Pour ce combat de Samson contre les Philistins. Pour ce combat de 300 combattants Israël contre des millions de Philistins. Contre des millions de Cananites. Nous te disons merci de ce combat de Shadrach, de Meshach, d'Abednego contre le système de Babylone. Père, nous te disons merci. Nous voulons te recommander toutes les âmes qui sont dans ce camp. Nous prions que tu leur fasses la grâce de sortir de ce camp et qu'ils réalisent que tout ce que Gabriel et ses lieutenants leur enseignaient n'était que tissu de mensonge, que la promesse de devenir multimilliardaire n'est que mensonge, que la grâce, la promesse de vivre dans des gratte-ciels n'est que mensonge, que la promesse d'avoir des limousines ou des voitures de luxe n'est que mensonge, que la promesse d'être président de la République du Togo n'est que mensonge. Seigneur Jésus-Christ, ouvre leurs yeux. Amen. Et que tous sortent de ce camp, de ce Alléluia. Camp de concentration. Alléluia. Seigneur, je prie que nous qui avons mené ce combat, oui. Seigneur, en l'occurrence l'évangéliste Afolabi, l'évangéliste Jean Gratien, oui. L'apôtre Abraham, oui. Seigneur, nous je prie que tu continues de nous utiliser Alléluia. Afin de mettre en lumière tout ce que les gens tenteront de mettre dans les oui. ténèbres. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom oui. pour la fin. Pour la fin de ce combat, et que le règne, la puissance, la gloire, la force, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.